Laura Davis avec un putt pour birdie sur le premier green. Long putt. Un petit peu en dessous. Laura, je vous le disais, grande, grande joueuse européenne, championne d'Europe à 5 reprises en 92, 96 et 99, 2004 et 2006. Laura Davis, putt pour un quatrième birdie consécutif peut-être. Laura Davis avec donc un long putt pour birdie depuis le bord du green. La ligne est belle. Parfait. C'est dedans. Quelle joueuse. Un putt parfait. Elle repasse à moins 11. Laura Davis avec un putt pour birdie sur le 9. Quel dommage, ça aurait pu être le cinquième de sa partie. Laura Davis, petite virgule sur le green du 12. En dehors du top 10, une mauvaise troisième journée donc pour l'Italienne. Laura Davis pour passer à moins 12 sur le green du 15. Parfait, elle fait le break sur sa rivale directe, Marianne Scarpnor, elle est à moins 12. Laura Davis peut encore faire la différence, si elle rentre ce putt, c'est terminé, c'est gagné. Le putt de la victoire peut-être. Eh bien non. Elle n'y échappera pas, Laura. Elle va devoir se battre jusqu'au bout pour décrocher ce titre. Pour le moment, il faut qu'elle rentre ce dernier putt pour sauver son par et terminer à moins 12 elle aussi. C'est fait, les deux joueuses sont donc co-leaders à moins 12 et elles vont... des Françaises Gladys Monserrat et Jade Schaeffer respectivement en 5e et 6e. C'est parti pour les payoffs avec un peu de pourbeur du haut. Une fois encore avec un birdie à suivre. Alors ça ne suffira pas si Laura Davis rentre son putt. Elle en pèse un eagle ici.
a son sort entre ses mains, c'est sans problème. Une nouvelle option sur la victoire. Long putt pour birdie pour Laura Davis. Alors attention, elle est capable de le rentrer ce putt. Oh, c'est terrible. Quel coup dur pour Laura.